j'ai commencé à pratiquer le tir à l'âge de 10 ans. Et ensuite, j'étais en école de tir. Et donc, il m'a fallu faire un choix sur une discipline. Et j'ai choisi le skeet olympique. J'ai donc commencé à l'âge de 14 ans. Ce que j'aime dans le skeet olympique, c'est la vitesse, la rigueur et la concentration qu'on doit avoir pour justement toujours être au top. Dans cette discipline, dès qu'on pense qu'il y a quelque chose qui a été acquis, en réalité, non. Il faut toujours qu'on change, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on évolue en fonction des lieux où on se trouve, en fonction de la vitesse des plateaux, soit en fonction de notre environnement. Au niveau de l'entraînement, j'essaye de faire du sport à côté, c'est-à-dire que je vais courir, je vais à la salle de musculation, j'essaye de garder quand même une bonne pratique sportive en dehors pour être performante. Pour la rigueur, eh ben, c'est l'entraînement, c'est-à-dire que je ne vais pas me permettre de m'entraîner 4 fois dans la semaine et la semaine d'après, y aller 0 fois. C'est une rigueur, il faut y aller. Et la volonté, c'est avoir envie. C'est-à-dire que si on n'a pas envie, ça ne sert à rien de prendre le fusil et d'aller tirer. Donc il faut aimer ça, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de casser du plateau, d'y arriver, de progresser. En France, on va avoir le championnat de ligue, c'est-à-dire le championnat régional. Et on va avoir le championnat de France et les sélections entre les deux. Sinon, j'ai la chance justement voilà, de pouvoir pratiquer et faire de la compétition internationale. L'année dernière, on a fait 3e aux Jeux européens avec Anthony Terras. Sinon, j'ai fait quelques bonnes perfs, j'ai fait mes meilleures perfs l'année dernière aussi. Mais ça ne m'a pas amené à rentrer en finale malheureusement. Donc on y travaille. Mais j'ai été classée 19e au classement international. Donc je suis déjà contente. C'est un grand pas. Mon objectif cette année et dans les années à venir, c'est vraiment de persévérer, de m'améliorer et surtout d'avoir une régularité dans mon tir. C'est-à-dire d'arriver en compétition et de toujours me maintenir en fait. J'aimerais vraiment garder une certaine régularité et une rigueur pour les années à venir.